il y a des matchs de foot et puis il y a ce match si particulier entre ces deux équipes. Qui va sortir vainqueur de ce choc? On va le découvrir dans quelques instants. Salut à toutes et à tous, quel privilège de vous retrouver ici depuis les tribunes du stade Pierre-Mauroy. Au micro, votre duo de commentateurs, Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva. Et au programme, ce feuilleton qu'on aime retrouver, la Ligue 1 avec cette rencontre. C'est une ambiance assez extraordinaire et ça va être donc un rendez-vous exceptionnel. Et oui, on est là pour discuter, crier, applaudir, c'est ça le football. Le football, sa parole, c'est pas du football. Et ça y est, le match se décante. Le premier but dans cette rencontre au sommet, dans cette ambiance de dingue. Le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Medina. Et c'est pour Machado. Ouais, c'est bien récupéré ça. Elle est merveilleuse cette passe. Et l'arbitre là qui signale le hors-jeu pour quelques centimètres. Oui, mais il y avait une bonne intention dans cette passe, dans cette connexion. Machado. Faute, mais l'arbitre laisse jouer. Avantage. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Ah oui, bonne couverture là, on soutient. Le ballon est récupéré. Oui, faute, mais l'arbitre fait signe de jouer. Avantage. C'est récupéré. Oh, bon pressing. Et le ballon vient buter sur le gardien. Très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis. Un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. Un corner qui est bien ajusté. Corner mal tiré. Balle au gardien. Florian Sotoka. Thomasson. Ouais, bien fait, la bonne récupération. Ah, il faut lui proposer des solutions là. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Oui, la belle incursion là. Il prend sa chance. Elle le parade, mais le ballon est toujours en jeu. Bien joué, bien présent à la tombée. Ah, il peut prendre sa chance. Peut-être Jonathan David pour reprendre. Goal! C'est un but comme un oiseau, comme un albatros dans le ciel. Quelle beauté! Et
Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Et non, l'arbitre revient à la faute, l'avantage ne profite pas. Ouais, c'est une bonne progression, ça, balle au pied. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Récupération musclée tout en évitant le pénalty. Il y a faute et l'arbitre donne le coup franc. C'est bien frappé dans la surface. Et voilà une bonne option de contre-attaque. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Et la défense peine à revenir. Oui, bonne intervention. Le ballon sort en touche. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. Une possession offensive là, pour essayer de déséquilibrer la défense adverse. Tentative de reprise, mais c'est manqué. Ça passe même assez loin du but. Il y avait mieux à faire sur cette action que de reprendre ou de voler directement. Tenter le ballon, par exemple. Il y a du soutien en attaque. Voilà, ce centre avec pas mal d'applications. Bonne pression qui permet de récupérer le ballon. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Attention, dans la surface, il y a du monde évidemment. Le gardien intercepte sans trop de difficultés. Thomasson. Le ballon pour Sotoka. Vers Diouf. Un ballon bien travaillé pour ce centre. Oh, l'arrêt, mais ce n'est pas fini, attention. Et une frappe en force qui finit dans la tribune. À cette distance, en plus, pas terrible du tout. Et il remporte son duel, bien défendu. Et nous aurons le droit à 2 minutes de temps additionnel à jouer. Abdoul Samed. Frankowski. Et voilà l'habitant qui s'y fait à l'instant au stade Pierre Mauroy. Alors parlons un instant de Jonathan David, il est absolument dans tous les coups depuis le début du match. Et oui, défendre sur lui, ça te rend fébrile, parce qu'il apparaît même quand tu ne l'attends pas. Il peut marquer à tout moment. Lens va essayer de réduire l'écart, le coup d'envoi de la seconde période à l'instant. Jonathan David, ça repart pour les 100 et or. Vers Diouf, Abdoul Samed. Sotoka hérite du ballon. Ouais, bien fait, il est passé. Ah, il n'est pas bien donné ce centre et le gardien se saisit du ballon.
Bah, le long de la ligne, il profite bien des espaces. Bah, il faut centrer là-dessus. Oh, la tentative. Oh, la volée qui est bien partie. Mais elle est manquée de peu. Pour attraper un ballon comme celui-ci, il faut de l'équilibre, de la technique, de l'excellence. Frankowski. Eli Wahi. Ouais, bien joué. Le duel est remporté. Allez, pas aller au pied. Il faut prendre un risque maintenant. Et c'est le moment de déclencher. Encore une chance. Allez, le gardien renvoie, mais ce n'est pas terminé. Et voilà une bonne intervention pour éloigner le danger. Et oui, quand on voit ces statistiques, on se dit que c'est comme ça que le football doit être joué. Des occasions, de l'efficacité, c'est pas compliqué en fait. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Lens va mettre en place une attaque. Ah, y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Et ballon dans la profondeur. Abdoul Samed. La balle pour Frankowski. Ah non, ce ballon est perdu. Bonne progression dans le camp adverse. Ah, c'est parfaitement défendu ça. Machado. Sur le côté, lance à de l'espace. Eh, bien donné ce ballon. Bonne intervention du gardien. Voilà, le remplacement intervient. De nouveau, un corner à jouer. Quel bon centre appliqué au second poteau. Et la défense s'en sort. Un bon contre à jouer peut-être. Le ballon vers Yazici. Yazici bien placé. À deux doigts de marquer son deuxième but du match. C'était sans compter sur le gardien. Il a eu le dernier mot sur cette action. Très chers amis supporters, n'oubliez pas que plusieurs buvettes sont à votre disposition dans tout le stade. Merci. Ah, le point de pénalty. Ah, la position était intéressante, mais le ballon lui a échappé. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Ah, il y a une faute, un contact, mais l'arbitre laisse l'action se développer. Faute, et oui, il y a faute. Et donc, l'attaque n'ira pas plus loin. Et voilà un carton jaune pour cette action dangereuse. Le règlement est parfaitement appliqué.
ce coup franc lointain, finalement, eh bien, n'inquiète personne. À part peut-être ses propres supporters, qui se demandent pourquoi avoir tenté sa chance de si loin. Dépossédé du ballon. Medina. Fulgini reçoit le ballon. Touche à venir. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Bon placement entre les lignes, ballon récupéré. Et une occasion de contre à négocier. Face à face avec le gardien. En bonne position pour frapper. Et oui, c'est dedans. Bientôt la fin de ce match, mais encore des buts. Troisième but d'avance, quelle démonstration. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et à la fin, une zapatasse pour tromper le gardien. C'est un mariage d'amour entre la précision et la puissance. Et le récital en attaque se poursuit, ce nouveau but en est la preuve. La défense est vraiment en souffle. Thomasson, qu'est-ce que c'est mal donné. L'action se poursuit et c'est le moment de déclencher. Et super arrêt, le danger était réel là. Le but semblait tout fait, j'allais même crier goal, goal. Mais c'était sans compter sur le gardien qui nous a sorti un arrêt des grandes classes. Numéro 21, Massadio Aïda. Le corner. Oh, c'est sauvé sur la ligne. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Sotoka. Et la perte de balle de Lens. Et pourquoi pas une contre-attaque là. Ah, il élimine son adversaire. Attention là, Jonathan David. Ah, la défense peine à se replier là sur le contre. Le ballon est écarté. Largement battu dans ce duel. Ah, il faut lui proposer des solutions. Ah, l'occasion de faire parler sa frappe. Goal, 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 goal. Et encore un. Et ce but vient alourdir un peu plus le score. Plus 4 au tableau d'affichage. Mais non, dans l'autre sens. Le ballon était dans les pieds. La intervention défensive est ratée et ça donne une occasion énorme pour l'adversaire. Moi, je suis le coach, je vois ça, je démissionne. Il n'a rien d'autre à faire. C'est la fin du match et voilà donc une bonne opération pour les Lillois qui remportent les 3 points de la victoire. Toute l'équipe a mis de l'énergie et de l'ambition pour remporter ce match. C'est une victoire largement méritée. Et de son côté, ça a été une bonne prestation dans l'ensemble. Il y a ce but, plusieurs occasions franches, finalement la victoire. Un résultat qui vient récompenser une exhibition artistique.